Yo tout le monde, c'est Fusing Ghost. Aujourd'hui, on se retrouve sur BioShock Infinite. Le dernier BioShock du nom, hein. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et là, en fait, je trouve que je suis à un endroit qui pourrait être pas mal de faire une vidéo. Tout simplement parce qu'on a une vue magnifique et on découvre un nouveau truc parce que je ne sais absolument pas ce qu'est cette chose. Donc, on va sauter, hop. Oh. Frapper, descendre. Demi-tour, verrouiller cible. Oh, ça va, trop bien. Oh. Oh, et bim, toi, je t'ai ken. Oh, c'était super stylé, ça. Donc, voilà. Parce que j'ai vu que ça avait l'air stylé, ça. Donc, je me suis dit, hop, vite, on fait une vidéo et tout. Et puis, voilà, bah, je l'ai fait. Accélérer. Là, j'ai complètement décéléré, là. Et bim, toi t'es mort. Bim, balabim. D'accord. Pourquoi il a commencé à gueuler? Voxophone. Ok. Une arme. Et le bon, Seigneur déjà compris cette arme. Moi, j'espère quand même qu'il y a d'autres armes que ça et le petit flingue, là. Parce qu'ils sont bien et tout, mais voilà. Le déluge. Pendant 40 jours et 40 on actionne le levier parce que je ne sais pas à quoi il sert. Mais en tout cas, voilà, il sert à quelque chose. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Zachary. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Bon, il n'y a plus rien à prendre. On va continuer notre glissade, sa maman. Oh, franchement, c'est magique. Franchement, je kiffe, mais à un point, attendez, on va aller un peu plus doucement. Est-ce qu'on les tue, frapper depuis l'aérotrap, bim. Voilà, oui, vous avez remarqué que maintenant, à chaque fois que je frappe, il y a du feu. C'est normal, j'ai chopé des trucs. Là, alors, peut-être des morts. Aussi, non. Par contre, c'est assez dur de tirer là, parce que ça bouge. Là dans les fesses et voilà, ils sont tous morts. Il y en a encore, hop, on claque un petit saut ou pas, je m'entends plus parler. What the fuck, c'est bon, il y a tout qui enregistre, j'espère. Est-ce que je dois aller là-haut? Non. Oui. Where? Yes or no? Aïe! Ah, j'ai eu mal. Il y a un autre aérotrame au-dessus. Okay. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Suffisait de demander. Et c'est parti. Oh yeah. Oh, franchement, ce jeu, je l'adore. Je le surkiffe. Je lui fais des enfants. Et après, j'aurai plein de petits BioShock à côté de moi. Parce qu'en fait, c'est vrai que BioShock 2 et BioShock 1, je ne les ai pas fait. Mais je crois que c'est pas exactement la même chose que ça. Reculez. Oh. Reculez. Toi qui franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques. Ils font quoi, ils s'en foutent. Ils sont complètement tarés. Vous êtes ennemis ou gentils? Oh. Your prophet. Oh. Comment tu vas dégager, prophète? Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. J'espère que vous n'entendez pas la télé dans mon casque, ce serait un petit peu bello. La boisson et le jeu. Et bien sûr. Je sais pas. Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'effacent pas à mon cœur. Vous savez rien du tout. Voilà. Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire. Et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, mon cœur? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, ouais, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal.
Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat. Ah, c'était super sympa en fait ce qu'il vient de me dire. Allez-vous-en. Tu m'aimes, hein, c'est pour ça. On t'aborde du Zeppelin des corps. Alors, toi, désolé, mon petit. Voilà. Moi, je suis pas encore techniquement fort hein, sur ces jeux. Je suis encore en mode découverte. Ça fait pas hyper longtemps non plus que je joue. J'ai pas joué d'ailleurs énormément. Hein, parce que j'ai mangé. Vous vous en foutez totalement. Mais oui, parce que c'est, je fais ça le même jour que dans l'autre vidéo de Bioshock. Parce que ce jeu là, je suis à fond dessus, je surkiffe. Et trouve le commande du Zeppelin. No problem. Au pire, on le fait tout péter. Hein. Ah, bah je crois que j'ai trouvé. Ok. Je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Ok. T'as un petit problème. Oh merde! Mais. Elle est complètement conne. Faut que je file d'ici. Mais t'es complètement conne! Mais elle est complètement conne! Hiya, what the fuck, ah, ça doit faire mal au bras. Là, je suis en mode fifouni. Ah, n'empêche, imaginez une ville en vrai comme ça où on se balade avec. On se balade comme ça, quoi. Voilà. Entrée à Monument Island. Bah, avec plaisir, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Kit de soins, cristaux. Non, ça ira. Voir santé, ok. Là, on a des balles. Ok, mission pleine. Toi, tu fais quoi, alors? Indisponible, ok, bon. Ouais, c'est des améliorations, en fait, de nos pouvoirs. Et ben, je pense que c'est assez important. Donc ben, faut les acheter, mais ça coûte un petit peu cher pour le moment. En tout cas, on se fait vraiment plein de succès. Attendez, oui, je me suis mis en or, enfin je me suis déconnecté. Ah non, j'en ai que reçu 3. Il y en a plein. Lol. Voilà. Bien. N'empêche que. Monument Island. C'est trop beau. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Closed. Faut que je fasse quoi? Ah, je suis con. J'avais la main verte, c'est pour ça que. Hop, et voilà, petit saut. Nickel chrome. Est-ce qu'on peut traverser les feuilles? Ah, voilà, ça c'est mal fait. Non. Ça reste un jeu magnifique. Oh, là il doit y avoir plein de choses à ramasser. Un noir. J'ai rien contre les noirs. Non, c'est juste que voilà. Tous les jours, il me félicite pour la clarté de mon élocution, parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent? Tu parles. Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la sainte journée, tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. Ok. Je suppose qu'il parle de la chose, ça doit être la fille. Principe, hein. On est toujours au bon endroit, ok. Actionner le levier. Je me demande à quoi ça sert. What the fuck? C'est quoi cet endroit? Trouver la fille. Bah, en fait, c'est ce que je fais depuis avant, en fait. Oh, j'entends quelqu'un chanter. Ok. Quel endroit bizarre. Zachary, c'est une chose d'imaginer son avenir. En fait, on a du mal vraiment à savoir si le prophète il est gentil ou pas. Je pense que non, mais c'est vrai que ça c'est inférieur à l'arrivée du Seigneur. Ah, il y a le push.
Et c'est Elisabeth qui les sèmera. C'est Elisabeth. Pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli. Mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs. Elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur. Sachant signe. C'est là que je dois aller. Ok. Ce terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là. Il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. C'est elle. C'est elle ? Oh. Vous croyez qu'elle me voit ? What the hell, ça veut rien dire ça. Dining room. Ok, on va aller à dining room. Let's go dining room. C'est ça dining room. En fait c'est un putain de truc de pervers, on observe la meuf sans qu'elle nous voit en fait. Oh, regardez ça. Ah, elle kiffe Paris. Elle kiffe Paris totalement. Oh. Wow. Qu'est-ce que c'est? Sérieusement? Tu te fous de ma gueule? Je sais pas ce que c'était. Oh. De toute façon, c'est pas mon problème. Comment elle a fait ça? Je passe par où moi? J'aime pas avoir le choix. Oh, mais... C'est quoi cette meuf? Je veux pas être avec elle, moi. J'ai trop peur. C'est une tarée. C'est de pire en pire, ce boulot. Ah, parce que c'est un boulot. Bon, allez, on va encore. On va encore une fois la voir. Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. Oh la salope. Enfin, si j'ai bien compris. La bibliothèque. Ok, bibliothèque. Bon, j'aimerais bien lui parler à cette meuf. Oh merde. Oh, très bien. Je peux le faire. Ah, en fait, on est sur la statue, là. Ah bah ouais. Ah oui. Ah, je suis con, faire en plus. Monument Island et tout. Vous n'avez rien entendu. Pardon, merde, mais je suis désolé, mais j'ai hâte d'avoir mon nouveau micro. Enfin, un micro un peu style Blue Yeti, parce que là. What the fuck. Je crois qu'elle est. Bonjour. Oh, mais quelle connasse. Arrête ça, non, mais arrête. Tu vas arrêter. Je veux pas que ça te mal. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi. C'est bien vrai. Ah, son doigt. Possible. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite. Je termine de m'habiller. Je peux te faire sortir d'ici. Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché. Arrête, sois un peu patient, ça suffit. Et ça, c'est quoi? Comment ça? La sortie. Hop. De quoi vous parle? Donnez-moi ça. Ok. Il vient la violer en fait. Oh. Ok, excuse la porte. C'est la sortie. Salope. Ah. Enfuyez-vous de la statue avec Elisabeth. No problem. Oh wow wow. Non mais la statue elle était belle, elle était trop classe. Ça coûte rien d'essayer. Elle avait le swag. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ah.
Oui, c'est bon, hein, je te suis, t'inquiète pas. Je viens de le faire, cet endroit, mais bon, c'est pas grave. Oh mon gars, il a poussé un de ses cris. Mais cours. Ta-da. Appelle l'ascenseur. Mais appuie sur le bouton. C'est quoi tout ça? Alors il me surveillait. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'a enfermé, hein? Je suis quoi? Je suis quoi, moi? Bah, je sais pas. Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour. Oh, oh, oh. What the fuck? C'est quoi ça? Non mais attends. Oh. Par là. Saute. Allez où? Il ne faut surtout pas. On va détruire tout le bâtiment. Sois prudente, Elisabeth. Ah oui, je veux bien m'enfuir du bâtiment. Pas maintenant. Quand on connaît la sortie. Vite. Vite. Mais cours alors. Ça. Pousse-toi, je vais essayer. Ah lol, moi une main je le fais, elle est galérée comme tout. Oh, avec le vent c'est grave dur d'ouvrir cette porte. Mais ça sert à quoi qu'on monte? Putain mais elle court vite elle. Oh wow, wow. En tout cas c'est vraiment sublime, on est vraiment pris par le jeu. Franchement, achetez-le hein. N'hésitez absolument pas à acheter ce magnifique jeu, parce qu'il est juste génial. Et donc je suppose que... Oh... C'est magnifique. Par contre j'ai pas encore eu de cinématique dans le jeu, c'est ça qui est assez étonnant. Mais la tour elle s'effondre. Non mais faudrait peut-être pas passer à côté je dirais. Oh putain on casse tout. Waouh là là. Le truc de fou. Mais c'est quoi cet oiseau aussi? Le truc de fou. Waouh. C'est extra. Il tombe. Suis-je en train de tomber? Oh, c'est quoi cette chose? Oh putain. Je... D'accord. Et nous effaçons la dette. Ils veulent encore. Anna, bref, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la faire avec vous. Et donc, on va se laisser là. J'espère que tout ira bien pour vous. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Bye.